Yeah, de retour pour cette seconde partie, ça devient vraiment pénible, ils nous font le coup désormais à chaque fois. Là, ils se mettent à couper la connexion en plein live. Je pense qu'ils doivent détecter un usage voilà, qui leur plaît pas, à savoir un upload sans discontinuer en 720p, c'est trop pour Bouygues. Ça doit les faire chier et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils te coupent le petit robinet, hello, refouad. Et ça met un bout de temps à revenir en plus, c'est ça qui est ouf. C'est comme s'ils attendaient juste assez pour vraiment bien niquer ton stream. Et après, quand la connexion revient, eh bien, tu es obligé d'ouvrir un second stream. Ce qui est vraiment pas top, quoi. Clairement, c'est pas top. Et ce sera bien quand tu auras la fibre. On pourra faire des lives, ça va être un truc de ouf. Allez hop, 2 sur 2. Voilà, qu'on continue notre grande œuvre. Ah, elles sont violentes leurs coupures, hein. C'est vraiment très très chiant, hein. Voilà, et puis ben YouTube, le problème c'est quand il reçoit pas des données assez rapidement, et ben, du coup il clôt la session et le live ne peut pas être repris. C'est pas possible. Alors peut-être qu'il faudrait passer par un StreamYards éventuellement pour pouvoir retomber sur ses pattes. Mais en tout cas, si on ne fait pas ça. Ouais, je vais essayer avec un StreamYards la semaine prochaine. Il y a moyen que ça ne fasse pas ce problème. Re tout le monde! Re salut! Tiens, je vais me couper un petit peu le débit ici. Je vais pas lire la vidéo en 720p. Voilà, désolé pour l'inconvénient. C'est comme la semaine dernière. Je pense que bah, c'est fait exprès, hein, à mon avis, pour faire chier. Pour éviter que les gens fassent des lives avec leur téléphone. Ils sont malins, les petits coquins. Donc, j'avais dit, on a 3 piles. Et là, j'ai sorti les 4 comme un con. Du coup, je sais pas laquelle est la bonne, laquelle est la pas bonne. Mais on va dire que c'était celle qui était tout à gauche, qui n'était pas la bonne. Sinon, au pire, on va regarder quand même avec le testeur avant de se lancer dans l'aventure. Voilà, on en était aux fameuses piles. Julien, je repense toujours à ton RGB Scaler. Scaler, hein, c'est ça, je dis pas de conneries. Et qu'il faut absolument que je teste. Bah oui, Julien, tout le temps. Je n'ai pas de connexion. J'ai une connexion en bois. De merde. Donc en ADSL, en plus avec les gamins qui téléchargent la dernière mise à jour Fortnite, forcément, 1,2 on est bien. Forcément, tu n'as rien, quoi. Tu n'as pas de débit. De toute façon, même si tu téléchargeais pas Fortnite, t'as pas de débit, de toute manière. Et celle-là, elle est morte, donc j'ai quand même bien fait de regarder, parce que c'est l'autre qui était bonne. Elle est complètement morte. Alors, celle-là... Ah mais d'accord, c'est ça qui m'annonçait comme... Ah mais non, attends, eh oui... 1,3, celle-là, elle est en super pêche. Et la troisième, elle est là. De retour. Qu'est-ce qu'il a posté, Eric? Ah, c'est une nouveauté, alors, parce que c'est la première fois que c'est arrivé, c'était la semaine dernière. Donc là, on a 1,3, bah, vous voyez rien, mais voilà. Là, vous voyez 1,3, donc c'est bien. Et au final, c'est plus la première, hein, qui était pas... Je vais retester celle-là, tiens. Je devais être sur le plastique tout à l'heure. Ça doit être une connerie comme ça. Il me faudrait un troisième bras, tu vois. Une troisième main. Vous voyez rien. Je retourne. Non, elle est vraiment dead. Celle-là, elle est vraiment dead. Allez, elle va retourner dans le chargeur. Voilà. Ok. Allez. Ouais, bah, tu vois, je fais 1 sur 2, 2 sur 2. Hello, Shenmue. Je vais pas recharger les vidéos, les mettre les deux, coller une à côté de l'autre, j'en ai marre quoi, franchement j'en ai marre. Donc ça fait 1 sur 2 et 2 sur 2. Voilà. Donc moins de piles que l'original, on l'a dit tout à l'heure juste avant que Bouygues s'invite à la fête. Voilà, 3 piles au lieu de 4. Donc ça c'est vraiment cool et j'ai réussi à empaumer une des 3. Non mais c'est pas possible. Ah oui non mais, le bureau penche de mon côté, du coup dès que j'ai un truc rond sur le bureau... Bon, là, il le fait pas parce que j'ai envie de vous le montrer, mais voilà. C'est quand c'est hors caméra que ça le fait. Du coup, là, voilà. Ah non, oui, voilà. Non, on voit pas. Ah, dès que je vous le montre, il arrête, quoi. Il a peur. Ça roule systématiquement vers moi et ça se casse la gueule. Voilà. Alors, évidemment, il faudra ressortir la carte parce que forcément, il n'y avait pas de ROM dans la distro officielle qui était fournie. Putain, ça sent la qualité. Ça, c'était le truc qui pétait tout le temps. Je sais pas si ça vous le faisait aussi. Ce petit truc, c'était bah, le talon d'Achille de la Game Boy. Ça pétait à chaque fois. Tiens, faudrait faire une vidéo sur les talons d'Achille au Tacon à Lyon.
sais, à Lyon, il y a pas la fibre, en fait. Ils connaissent pas encore. Si tu veux, tu as la fibre. Ma mère a la fibre à Badonvilliers, dans le trou du cul des Vosges. Et par contre, ici, il n'y en a pas. Elle l'a depuis 2 ans, hein, la fibre. Hein. Au fin fond des Vosges, elle l'a depuis 2 ans. Je vous raconte pas, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça, il faudrait, ouais, je disais, il faudrait faire une vidéo sur les points faibles des consoles. Je sais pas si vous en connaissez d'autres. Vous en connaissez d'autres. Ouais, c'est ça, ouais. Hello, Samuel Flipper Passion. Toi, jamais pété, sans déconner. Pas que sur la Game Boy. Sérieux? Ouais, en périphérie, hein, Fouad. Il y a vraiment plein de bleds qui sont encore pas desservis, malheureusement. Donc, les points faibles, bah, je dirais, là, il y avait ça sur la Game Boy. Sur la Super NES, c'était les boutons LR dont la charnière pétait au début. Sud-Lyonnais, Julien. Donc, voilà. Vidéo sur les points faibles, ce serait intéressant si vous en connaissez d'autres. J'en ai pas en tête comme ça. Donc là, bah, on va mettre la cartouche qui, en réalité, est le PI complet avec la carte SD dedans. Alors, Digital Lumberjack, je sais pas si vous mettez des ROM en version... Putain, merde, il y a le bouton était sur ON. Si vous mettez des ROM public domaine directement dans la distro, je ne sais pas. Je l'ouvre pour la première fois, je suis fébrile. What? La lumière ON est bien allumée, par contre, j'ai pas l'impression d'avoir un truc à l'écran, quoi. Que se passe-t-il? Sniff? Bon, bah, c'était un bon fail en bonne et due forme. Ah ouais, ouais, non, franchement, c'est vraiment chiant, quoi. Bon. Non, mais attendez. C'est quoi ces piles de merde, en fait? La LED, elle arrête pas de clignoter. Mais genre, il n'y a pas assez de jus, quoi, c'est tout, non? Quoi, il doit... Digital Lumberjack, il doit faire un truc au début, au premier boot. Hello! Hello, Media Focus. Hello, José, comment tu vas bien? J'ai démonté, remonté mon boîtier 5 fois avant que ça passe, sans déconner. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je suis bien de ton avis, on va essayer avec le câble, parce que là, c'est marrant, mais... J'ai comme l'impression que c'est une histoire de câble aussi, moi. Une histoire de pas assez de jus. Parce qu'en plus, c'est des accus, hein, donc les accus donnent moins de jus. Galou Challenge Retro 1.0. Ouais, tu regardes le replay. Bah ok, super, super, super. Ouais, tu peux la brancher en filaire. Regarde, Maiden, donc t'as soit, comme à l'origine, le petit trou sur le côté, si ça veut bien faire le focus, dans lequel bah, t'as un adaptateur qui est fourni avec pour mettre un USB. Ou alors, t'as directement... Bon là, pour ça, il faut ouvrir le boîtier. Tu as directement... Bah, le micro USB derrière le boîtier des piles. Je sais pas, c'est peut-être pour la recharge, ça. Hello, Samir Samir. 92? Non, alors pourquoi pour la Game Boy? Non, c'est 89. Hein. Moi, j'ai pas activé Windows en plein live. Activé Windows. Je n'ai pas non plus activé le Windows en plein live. C'est quoi? C'est notre ami Eric qui a ça. Bon, on va se mettre le vrai jus, en fait. Du coup, on va virer les piles. Je sais pas si ça fait quelque chose quand il y a les piles dedans ou pas. J'en sais rien. On va les virer. Après, c'est des vieilles piles qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Au moins... Alors, le câble est-il assez long? Oui, oui, c'est pas mal. Regardez. Le câble est pas déconnant. Hein. Franchement, là, ouais. Ils ont mis le paquet. Le pire, c'est qu'il n'était pas si cher, hein, ce boîtier, hein, pour un truc qui comprend un écran. Voilà, c'est du super fin, par contre. Hein. Wow, 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 wow. Là, il faut vraiment y aller mollo avec ça. Hein. Non mais attends, c'est pas ce trou-là, si? Sans déconner. Putain, mais c'est une aiguille, le truc! Il y a encore un... Putain, il y a une pointe au milieu! Il y a une pointe au milieu. Oui, mais... J'ai peur de le péter, quoi. Non, mais c'est pas possible. Bon, bah si, c'est possible. C'est quoi, cette merde? Tu peux pas aller au fond? Si? Ouais, ça, c'est pas le point fort du boîtier, les amis. Hein. J'avais un petit peu l'impression que j'allais le défoncer. Je sais pas si je peux vous montrer du coup l'allumage et l'extinction de la prise avec la domotique. Ouais, je vais vous montrer, on va le mettre de l'autre côté. Hop. Tiens, on va le mettre là. Donc je vous mets le power ici. Alors on va éteindre le... Alexa, éteins le plan de travail. On va éteindre la torche. Donc là, c'est éteint, ok? Donc on va se prendre la domotique. Allez, tiens, je vais vous le foutre en plein écran, on est des oufs.
vais vous mettre ça en plein écran dans quelques instants et puis on va s'amuser à allumer la prise avec l'antenne que j'ai rajoutée ce week-end sur la box domotique. Ah mais ça ne marchera pas. Ah bah si. Ouais non, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que je ne suis plus sur le réseau local du coup, je suis chez Bouygues. Alors ça marcherait mais c'est un peu compliqué, on va dire, on va éviter. Donc on va le faire depuis le smartphone tout simplement. Tout simplement. Ça les petits amis, si vous pouvez faire ça chez vous, mettez-vous-y à fond, c'est une dinguerie. Je ne vous dis que ça. Donc l'application s'appelle JDOM, tout simplement. Et puis on va s'amuser à allumer notre prise. Sacha, c'est long. Ça doit être long comme ça, c'est le partage de connexion qui fait chier. Non, normalement, c'est pas si long, hein, ça charge rapidement. Non utilisé. Voilà. Voilà, du coup, on doit trouver la prise. Donc là, il y a plusieurs trucs, hein, vous voyez, il y a plusieurs... Là, t'as plein de trucs. Voilà, la box Xiaomi, il y a plein de bordel. Ça, c'est tout ce que j'ai en test actuellement. Et voilà, Osram, vous voyez, la prise Osram. Alors, du coup, on va regarder sur l'autre... voilà. Regardez bien la prise. On clique et bim ! Instant. Vous l'avez entendu, le clic, ou pas ? Je sais pas si vous avez entendu le clic. Donc là, je veux l'éteindre. Bon, en fait, on va faire plus simple. Je vais vous mettre là-dessus. Je vais décrocher ça. On va aller voir la prise. Yes ! Putain, il est court, le fil. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez la LED. Alexa, éteint le plan de travail. Alexa est fatiguée. Bon, c'est pas grave, vous voyez quand même. Donc là, je clique dessus. Voilà, ça éteint. Je reclique. Et ça rallume. Allez, hop, c'est allumé. On peut y aller. On va basculer sur celle-là. Le temps que je remette le téléphone. Oui, donc vraiment, amusez-vous avec ça. C'est vraiment une dinguerie, les petits amis. Franchement, c'est vraiment cool de pouvoir piloter tes prises à distance. Même loin de chez toi, du coup. C'est vraiment top. Honnêtement, c'est top. Donc je vous dis, sur la chaîne Tuto Polo, il y aura une vidéo à paraître avec la configuration de l'antenne Zigbee sur la box domotique. Parce que jusque-là, j'avais une antenne Z-Wave. Enfin, j'ai les deux, en fait. Alors, on démarre. Là, la LED rouge est beaucoup plus vivace. On y croit, on se bat. Là, on la voit, la LED rouge. Là, elle ne fait pas semblant. Hein. Ça, par contre, tu me fais peur quand tu dis que tu as démonté, remonté 4 fois ton boîtier, là. Bon, bah, c'est le fail. Par contre, il y a plus de jus. Hein. La LED n'était pas allumée rouge aussi intense. Et l'oridique. C'est pour ça que ça marche toujours pas, je parie. Putain, mais c'est ouf. Le live de la déroute. Eh non, putain. C'est mauvaise langue. Vous êtes des mauvaises langues. Installing GPI case. Putain, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Putain, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ouais, j'ai mis la SD dedans quand même. Hein. Donc du coup, avec les piles, c'est pas la Game Boy de l'époque. Hein. Non, mais c'est carrément génial. Il est sympa, l'écran. Hein. Je dis pas que c'est pas l'IPS de la GBASP dont je vous ai montré le tuto d'installation. Mais, ouais, yata ! Ouais, ça marche, putain, enfin. C'est trop, trop bien. Dans Monster Boy, Eric a mis une mauvaise langue aussi. Putain, mais par contre, ça met combien de temps à s'installer, en fait, le premier boot? Bon, après, c'est un 0 dedans, hein. Mais sauf que c'est un 0.2, donc c'est censé, quand même... c'est censé se bouger un petit peu le cul, quoi. Ah, bah, Eric. Bah, Eric. Faut vous réconcilier, faut vous faire des bisous. Plein de petits poutous. En fait, là, je crois que t'es carrément obligé de prendre le kit batterie de Sakura, hein, parce que là, avec des piles, les piles, elles étaient quand même chargées au taquet, quoi. Donc bon, si le truc, il arrivait même pas à booter, c'est pas top, quoi. Ouais, mais les piles, elles étaient à 100% dans le chargeur, quoi. C'est pas normal. Et regardez, Electron, hé, purée, ça boot, de ouf. Oh putain, c'est trop bien. Non, mais franchement, c'est quand même sexy, y a pas à dire. C'est de la balle, quoi. Donc, tu vois, Julien, y a pas de souci, hein, du coup, avec le... Même si t'as pas les pins sur le 0, sur le Pi 0, y a pas de problème, quoi. Oh là là.
Punaise, c'est quand même excellent, quoi. C'est quand même excellent. Alors, est-ce qu'il y a des games dedans? Alors, j'avoue, pour manager la carte SD, ça va être chiant, en fait, non? Ça va être chiant, parce que... en fait, moi, à chaque fois, j'y vais par le réseau. Et là, est-ce qu'il y a du réseau? Menu, fais voir, menu. Tu peux configurer le Wi-Fi ou quoi? Alors, est-ce que j'ai du Wi-Fi? Ben non, mais j'ai du Wi-Fi quand même dans le 0, là. Dans le 0.2, il y a du Wi-Fi, c'est obligé. Network setting de ouf. On va un poil baisser le son. Putain, c'est vraiment excellent, quoi. Back select. Ah, select, c'est ce bouton-là, d'accord, ouais, ok. Enable Wi-Fi. On va enable le Wi-Fi. Voilà. Regardez, connecting to Wi-Fi. Scanning Wi-Fi network. Putain, c'est incroyable comme ce qu'on fait maintenant. Putain. Il n'était pas censé avoir scanné les réseaux. Il m'affiche pas la liste des SSID, je ne comprends pas. Bah le son, tiens, je vais baisser celui de la télé, puis je vais vous le mettre. Bah attends, il est seulement en enable le Wi-Fi là, c'est quoi ce délire? Ah oui, il veut se connecter à mon imprimante, non ça va pas le faire là. Alors on va virer le son de la télé, même si j'adore Shinobi. Shadow Dancer, pardon. Le son est pas mal, hein. Je vais le mettre à fond, je sais pas si vous entendez. Ça va, le son est pas mal. Alors je proteste, c'était pas fourni avec le casque stéréo comme à l'époque de la Game Boy. C'était quand même la belle époque, il y avait tous les accessoires. Maintenant on te vend tout en kit à 30 balles, chaque accessoire. Ok, donc là il voit bien les SSID, je confirme. Non, je veux pas me connecter, montre-moi l'autre. Mais putain, c'est quoi ce truc? What? Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, l'ergo est un peu space. Alors attends, voir. Là, il faut, je pense, cliquer dessus pour que tu aies la liste. Voilà, mais c'est trop bien. Ok, c'est pas forcément intuitif pour moi, mais ça se fait. Donc là, on va avoir les internets dans pas longtemps. Alors, Wi-Fi key. Oh là là, mais regardez l'interface, comment qu'elle est trop bien faite. Ah non, c'est vraiment cool. Hein. Franchement. T'as une carte. Non mais c'est vraiment de la daube, hein, Fouad, hein, c'est 8 giga, hein, y a pas. C'est pas ouf. Hein. Alors j'espère qu'on va pouvoir. Oui, avec le. Non, c'était pas l'oreillette, c'était le petit truc entre l'oreillette et le fil. Ah ouais, tu as noté Polonette. Tu as noté Polonette. Ah ouais, le VPS. C'est pas un protégé touche A, B, X. Alors, je ne vais pas vous montrer le Konami code de ma magnifique connexion Internet. Le code est très, très, très compliqué. Alors... oh là là, si on avait eu ça quand on était gosse. Mon Dieu. Mon Dieu, les amis. Je crois que je serais devenu dingue, en fait. Je serais devenu dingue. Déjà, rien que d'avoir un écran que tu vois la nuit, ça aurait été ouf. Mais alors, avoir la couleur et tous les jeux, y compris les 16 bits, les 32 et tout, oh là là, mais c'est oufissime. C'est oufissime. Les amis, c'est oufissime. Pour ça, au moins, on vit une belle époque, faut le dire. Je suis lent. Je sens que je vais m'emmerder avec les... Je peux recommencer. Je peux tout recommencer. Allez hop. Je sais pas, je vais vous mettre ce plan là, il est peut-être moins chiant pendant que je fais le code. Allez, c'est parti, là on est bon. On met le Konami code. Les amis, pour passer le temps, je vais vous raconter que je suis en train de faire le Castlevania Harmony of Dissonance sur la GameCube et sur le GBA du coup. Et il est trop bien. Il est trop bien et... ce que je veux vous dire aussi, c'est que d'après jeuxvideo.com, il faut 10 heures pour faire le jeu. Je pense qu'il faut un peu plus de 10 heures pour faire ce jeu. En vrai.
Putain, c'est lent. Et on y est quasiment à la fin, là. On est quasiment au bout du supplice. Alors, du coup, voilà. Non, franchement, l'interface est top. C'est vraiment topissime. C'est juste topissime. Putain, c'est topissime. Joli boulot, quand même, il n'y a pas à dire. C'est vrai, t'as raison, il y avait bien le VPS. Hein. Attends, faut quand même pas que je recommence tout, là, si. Putain. Ah, bah fallait mettre fin, sûrement. Oh non, putain, c'est triste. Bon, bah je recommence. Hein. N'hésitez pas à discuter entre vous, hein. Je suis un peu bloqué sur cette étape extrêmement compliquée. Dieu. Alors j'espère qu'on va pouvoir, je vais réussir à parler, parcourir l'ASD lorsqu'on sera connecté. Parce que sinon je sais pas ajouter de jeu dedans en fait. Mais je pense que oui. Allez hop. Comment tu finis en fait? Putain. J'ai trouvé. De ouf. Allez. Normalement, on doit être pas mal dans quelques instants. Yes. Status not connected, hein, quand même. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que je fais pas comme il faut? Oh, la musique de Tetris, elle est trop bien. Bonne nuit! Bonne nuit, Yogg. Et c'est F0, tu vas moins rire avec les touches LR miniatures. Ouais, mais j'ai celle de Sakura, mais je sais pas où je les ai mises. Bon ben je sais pas, je sens que ça va finir en VPS hein, cette affaire. Hein. Ça va finir en VPS, hein, je vous le dis. Hein. Allez hop, VPS. Fin du bal, j'en ai ras-le-bol. Hop. Donc on va faire une connexion en WPS, parce que je suis au bout de ma life avec le code, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais sur le téléphone, ça va être la merde. Non mais c'est pas possible, on est si proche du but. Close. Ouais, close. Non, mais pour autant, ça marche pas, en fait. Alors, menu, je vais dans menu, je retourne dans Network Setting. Connected. Connected, les amis. Ça a foutrement marché, en fait. Ok, nickel. Donc, j'imagine qu'il n'y a point de jeu dedans. Alors, par contre, ce qui va être galère... ce qui va être galère, c'est de mettre des jeux. Non, c'est bon, hein, ça marche. Hein. Les musiques sous copyright. Celle-là, elle a dû se faire... Du coup, il y a des jeux dedans ou pas? Digital n'est plus avec nous, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait des jeux, mais des fois, il y a... Des fois, il peut y avoir des trucs libres de droit. Puis alors, ce qui est con, c'est que j'ai pas du tout accès à mon serveur. J'ai pas accès à mon serveur, les petits amis, pour mettre des jeux dedans. Alors déjà, allez, on va tenter un truc. On va brancher le réseau local en même temps pour voir si jamais ça marche. On peut être surpris. Je ne sais pas. On va tenter un truc. Ouais, il y a des jeux homebrew, ouais. Ok, d'accord. Bon, alors du coup... Et ils sont où les jeux homebrew alors? Ils sont dans quoi? Si je parcours le réseau, est-ce que j'arrive à voir la bécane là du coup? Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle Recallbox? Ouais putain, génial! C'est trop bien! Oh là là, c'est trop bien! Donc là, on voit le Recallbox sur le réseau local. On voit le dossier share. Je vais vous montrer ça. Hop, en live. Donc voilà, une fois que le Wi-Fi est configuré, en fait, t'as directement accès voilà, dans... ce répertoire, donc réseau, Recallbox GPI, share, et là bah, tu as directement bah, tout ce qu'il faut, les BIOS, les ROM, les machins, alors à mettre, hein, évidemment il n'y en a pas de base, et du coup bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre, qu'est-ce qu'on se prend là pour s'échauffer un petit peu, est-ce que j'ai des trucs en fait, parce que là mon serveur de fichiers spécial Retropolo est HS actuellement, donc il va falloir qu'on se trouve des trucs. Et on devrait se trouver des trucs facilement dans les téléchargements. On va se trouver des trucs.
Le pire, c'est que je crois que j'ai enlevé les ROM il n'y a pas longtemps. Ça, c'est moche. Émulateur sur GBA. Oui, on fera aussi un petit live sur les émulateurs de consoles sur d'autres consoles. Donc, par exemple, on commencera certainement avec la GameCube où on se mettra, on testera tous les émulateurs dispo sur GameCube puisque je vous ai tout expliqué pour hacker la machine. Et il y a plein d'autres choses rigolotes à faire comme ça, comme par exemple les émulateurs sur Game Boy Advance. Sur Game Boy Advance. Donc, il y a Pocket NES. Enfin, il y en a tout plein qui font un super boulot. Où est-ce que j'ai foutu mes jeux? Je crois que j'avais tout rangé en plus, c'est ça le pire. Je vais aller plus vite à retélécharger des trucs sur les internets. Ou alors, je peux tout simplement... On va faire autre chose. Tiens, on va se tenter un jeu GBA, du coup, je vais simplement prendre... Qu'est-ce que j'ai là? On va trouver une solution, rapidos... Donc là, on a des Everdrive. Bon, on peut commencer avec la Mega Drive, tiens. On va commencer avec la Mega Drive. Et puis, on peut se faire aussi un peu de Master System. Alors là, il y a pas mal de trucs avec ces Everdrive-là. Voilà. Yes! Alors. Donc là, il n'y a rien. Super. Il n'y a pas de carte là-dedans. Là, il y a une carte, mais c'est pas ça que je veux. Donc, on a... Non, ça, c'est un vrai jeu. Ça fait chier. Il n'y a toujours pas de carte. Donc, on va se prendre celui... Putain, il n'y a pas la carte là-dedans? Sans déconner. Ça, c'est pas bon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre, hein? NES. Il y a un dossier qui s'appelle NES. Yes. Ok, là, il y a pas mal de trucs sur NES. On va se prendre une grappe. On va se balancer ça dans le pi. C'est des hacks, d'ailleurs. Ça peut être marrant. Il peut y avoir des trucs marrants dans le tas. Tiens, il y a du Super Mario. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Du Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh, The Legend of Zelda DX sur NES. Oh, ça va être marrant, ça. Un Wario Land 2 NES aussi. Un Zelda Master Quest NES. VS Super Mario. Je prends les trucs les plus intéressants. Legend of Zelda, tiens, je vais vous mettre sur l'écran qui va bien. Et je rattraperai le chat tout à l'heure. Désolé, je ne peux pas faire les deux à la fois. Voilà, donc là vous voyez tout. Et vous voyez rien du tout en fait, parce que j'ai viré la mauvaise fenêtre. Alors c'est pas grave, j'ai fait la sélection. Je vais la mettre dedans. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer en fait. On va continuer la sélection ensemble. Bim. Mario Bros Aventure, Mario Bros Evil, machin. Bon, là, il commence à y avoir pas mal de trucs. Putain, il m'a désélectionné. Mais je sais pas utiliser un clavier aujourd'hui. Versus Super Mario. Mais putain, non, mais c'est la touche contrôle qui merde, en fait. Putain de clavier sans fil, quoi. Voilà, bon, de toute façon, on va pas en prendre 50. Metroid, machin. Mega Man 3, c'est marrant. God of War sur NES, waouh! God of War sur NES, ça peut être marrant ça. Luigi Bros, Mario Aventure, Mario Evil, machin. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon, le but du jeu, c'est pas d'en prendre 50 000 non plus. Puis j'ai pas envie qu'il me pète ma sélection, parce que le clavier déconne. Alors, tout ça, on va envoyer dans le GPI Case. Aïe. Super, je le vois plus sur le... C'est quoi ce délire? Ouais, de toute façon j'avais le dossier qui était ouvert, donc je m'en fous. Bah. Putain, c'est quoi ce délire? Voilà, ROM. Ok. Alors, NES, c'est... NES. Ok, je voudrais qu'on tente aussi de la Master éventuellement. Donc là, c'est ouf, c'est en train de copier en Wi-Fi dans la console, c'est top de chez top. MD.MD ou un truc Mega Drive, ouais, ce serait cool ça. Y a rien en Mega Drive. .MD, si je mets .MD. GG Shinobi, non, c'est autre chose. Mega Drive, si je tape Mega Drive. Ça m'apprendra à ranger mes jeux. Alors, il y a un autre dossier. Ouais, il y a des hacks. Voilà, il y a des hacks qui peuvent être sympas. Y a pas un Shinobi en hack? Tiens, il y a un Sonic 2 rétro.
Sonic 1, Megaman, Shinobi 3, Hake, ça peut être sympa. Shadowrun, Shadow in Sonic, je ne sais pas ce que c'est. Resident Evil, Super Street Fighter, Street of Rage, Sonic the Hedgehog 3, Sonic et Knuckles. Allez, on s'arrête là. Bim. On copie ça, on se le pète dans la carte, et puis on va regarder avec ces deux-là, et puis après, bon, on se quittera là-dessus, hein, on va conclure. Alors, MD, ABCDF, MSX, on se fera une soirée MSX aussi. Où est la Mega Drive ? Mega Drive. La Mega Drive est dans la Mega Drive. Hop, ça copie ultra vite. Master. Ah ouais, Master System. Si, on va quand même se mettre des Master System. Pour notre ami Eric. Donc là, pareil, dans les hacks, je sais pas ce qu'il y a de sympa. Bah allez, on va prendre tout ça, on s'en fout. Et donc voilà, on va s'arrêter à la Master System. Bon, ça aurait été bien d'avoir un peu de Game Boy quand même. Hein. Ça aurait été bien d'avoir un peu de Game Boy. Il nous faut de la Game Boy. Donc là, ça copie toujours, c'est dingue. Game Boy. Putain, ce clavier, comment que c'est de la merde. Game Boy Advance, un peu de Game Boy et de Game Boy Advance, et après je vous montre ce que ça donne à l'écran. Alors on va décompresser les trucs de la Master System là. C'est quand même top, hein, franchement. Allez, extraire ici, un peu de Master et on sera bien. Alors Game Boy Castlevania, c'est toujours bien les Castlevania, on va prendre ça. Un Legends of Zelda, un Metroid 2DX. Les Super Mario Land, en couleur d'ailleurs. Faites-vous les Mario Land en couleur, c'est cool. Je sais pas si Recallbox lit les zip directement, j'en sais rien en fait. Du coup, j'ai décompressé les jeux. Donc ça, on vire. Ça, on vire. Réseau, on vire. Et je crois qu'il me reste... Voilà, Master System, ROM... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On avait de la GB ou de la GBC. C'est quoi? C'est de la GBC ou de la GB1? Bon, on va bientôt continuer. Vous allez pouvoir voir des trucs de ouf. Allez, on extrait ici. Ah non, c'est au format .gb, donc je sais pas. Ouais, bah du coup, c'est de la Game Boy classique. Je crois que les Game Boy Color, c'est au format .gbc. Donc on va le mettre dans le bon répertoire qui va bien. Donc comment ils ont fait de la couleur sur GB? Ah oui, il y avait les jeux hybrides. Les jeux qui étaient à la fois Game Boy classique et Game Boy Color. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont au format .gb. Allez hop, GB, voilà, GB, hop, paf. Ensuite j'avais dit de l'Advance et on y va. Game Boy Advance. Non, fallait mettre en un mot. Game Boy, voilà. Game Boy, et là tu as le Game Boy Advance. Et du coup, on va regarder les hacks qui sont proposés. Advance Wars, non, plutôt un Castlevania, voilà. Castlevania aussi. Metroid Other M. Voilà, il n'y a pas beaucoup de hacks. Un Yoshi Island. Et ça, on va se le foutre du côté de la GBA. Et puis, on va regarder ce que ça donne sur la console dans quelques instants, les petits amis. Je sens que ça va être de la balle. Je le sens. Je le sens. Allez, donc je sais plus si ça fait les zips ou pas. En même temps, je lis pas le chat. Donc je ne peux pas savoir si vous me répondez. Je vais relire le chat. Non, justement, Recallbox. J'étais en train de gérer les fichiers. Je peux pas tout faire, les mecs. Il me faut un autre écran. Il me faut un écran de plus. Non, franchement, le pad, il est, c'est comme celui de la Game Boy Advance SP, la Game Boy Advance, pardon, première du nom. Et c'est le même que pour la GameCube. Hello, Mr. Mibu. Hello, Alex 79, à l'avatar que j'adore toujours autant, puisque Boulder Dash était mon jeu préféré, figure-toi. Bon, du coup, vous me disiez quoi, que ça lisait les zips ou pas, là? Parce que c'était ça la question que je posais, mais je pense que ça a été répondu. Allez hop, de toute façon voilà, j'ai zip ou pas zip quoi, donc on s'en fout. Je suis en train de décompresser, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Ça va prendre du temps. Je le sens pas ce truc. Donc si ça lit les zip, je vais retourner sur le chat pour voir ce que vous me racontez. Si ça lit les zip, je vais arrêter la compression. Recallbox, Fabrice, je suis satisfait du Raspberry Pi 400.
Ah bah merci, merci, merci. C'est cool. On t'arrête sur Twitch. Ah bah c'est sympa, je te remercie, c'est super. Super cool. Il faut brancher le PC sur ton CRT, comme ça tu auras deux écrans. Ouais, sur le CRT, ouais. En vrai, il y en a déjà trois des écrans, donc il va falloir que je m'arrête quand même. J'étais en train de faire le pauvre malheureux, mais il n'y a pas de raison. Donc, bon, les petits amis, je ne sais pas si ça les zip ou pas, mais en tout cas... Ah, la GG, yes. 130 viewers, de ouf. Oui, je sais, Mister Mibu, mais en fait, je le fais toujours par le réseau, je manage toujours les ROMs par le réseau avec Recallbox. C'est peut-être plus simple en mettant la SD, hein, tu me diras. Oui, Recallbox, j'ai été convaincu par ta vidéo. Bon, là, on a quasiment fini. On va pouvoir lancer, ben, sans plus tarder, tous les jeux que j'ai transférés dedans. L'Everdrive GBA violet. En fait, je l'utilise jamais, quoi. Celui-là, tu veux dire? Bah, j'imagine que c'est sûrement de l'Adobe, hein. C'est ce que je disais dans la vidéo, le live qu'on a fait la semaine dernière sur le test. La semaine dernière, on a testé le l'Everdrive X5 Mini de chez Krix. Donc ceux qui veulent des infos là-dessus, et bah, regardez le live de la semaine dernière. Bon, on a testé un paquet de jeux. Et ouais, je me doute bien qu'en fait, tu risques d'avoir des problèmes de save et tout. J'ai pas confiance en ces Everdrive à 20 balles. Moi, impossible de save sur mon Everdrive violet, je ne sais pas pourquoi. Tu dois patcher les ROM ou quoi? Parce que j'ai ça qui date de l'époque... oula, bah, qui date de l'époque de la GBA. Qui date de l'époque de la GBA, qui était même plus gros qu'une cartouche, qui dépassait de la console. Et pour celui-là, tu étais obligé de patcher les jeux. Il y avait un logiciel, fallait patcher. Si tu étais plus régulier sur les Kawabunga, les dimanches, j'en fais tous les dimanches en fait. Donc sur les lives, en général, je suis assez régulier. Voilà, sauf quand il n'y a vraiment pas de possibilité, ça peut arriver. Mais d'une manière générale, il y a toujours un live le dimanche soir. Après, voilà, hein, c'est pas grave, s'il y a moins de monde, ce n'est pas si grave que ça. Il y a toujours les replays après. Les lives sont pas mal regardés en replay du coup. Bon, et ben les petits amis, de toute façon, ben en fait j'aurais même pu jouer pendant que ça chargeait, hein, puisque ça se fait de manière transparente. Alors, ben il va falloir faire un refresh par contre. Alors menu. C'est où en fait le refresh? Alors back. Voilà, discuser, yes, language, bah, tant qu'on y est, on va se mettre en français, hein, tant qu'à faire, voilà. Alors, on valide, select, ouais, je sais plus où tu... Oh purée, ils ont pensé à nos petits amis Sakura Retro Modding et Charlie. Tu peux le mettre en basque. Ah non, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a la langue... je sais pas s'il y a le corse. Ouais, lance un jeu. On va lancer le jeu, mais je ne sais pas s'il faut pas rafraîchir, en fait, la liste. Non. Comment ça, reboot? Ah, pour la langue. Ah bah non, non, plus tard. C'est pas grave, la langue. On s'en moque. Alors. Back, c'est là. Ok. Ah ouais, mais attends, il va me laisser le message, du coup, ou quoi? Je pense qu'il va me laisser le message. Alors, on va aller... C'est quand on est à l'intérieur d'une catégorie, je pense qu'il faut refresh. Il y a tellement de catégories, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors là, j'avais mis des trucs, souvenez-vous. On va aller jeter un coup d'œil. Mais oui! Non, en fait, il n'a pas rafraîchi. Comment on rafraîchit? La liste. C'est quand même pas dans les options, si? Non. Shoiden, non, non, c'est pas là-dedans. Où est-ce que tu refresh la liste des jeux, en fait? Bon, c'est pas grave, on peut s'amuser à regarder ce qui a été fourni de base en standard. Il y a effectivement pas mal de jeux, c'était même pas la peine de s'embêter. Alors, attends, il faut... Non, je veux refresh. En vrai, je veux refresh. Ça va, tu rebootes, ça change... Oui, le basque. Alors, du coup, entre dans un système menu pour rafraîchir la liste des jeux. Pourtant, j'ai pas de problème sur le... Donc là, je suis dans un système menu. Putain, tu... Launch, back, système, option. C'est... Non, favori, only. Comment on fait, les petits amis?
Ah bah forcément. Digital Lumberjack, il doit y avoir des problèmes de majuscules. Mais si, je lis le chat là. Reset, start et jeu. Attends. Quitte. Ah, update game list, trop bien. Voilà, c'est parti. Start option de l'interface, rafraîchir la liste des jeux. Génial. Tu ça les fait tous ou quoi? Alors attends. Ouh, start. Ouais, de toute façon c'est bon là, j'ai refresh. Ah, l'Apple 2, même l'Apple 2, c'est oufissime. Alors Game Boy, bah tiens, on va déjà commencer par là. Bim. Voilà, donc on a nos hacks. À Link's Awakening. Yes, ça c'est bon. Allez, on va plutôt se faire un Mario, ce sera plus rapide. Mario Land 2 DX. Donc une version recolorisée d'un de mes jeux préférés sur Game Boy de tous les temps, à savoir bah, Mario. Mario 2. La torche elle est éteinte, c'est cool. Ah non, mais il y a mieux que ça les amis. Il y a beaucoup mieux que ça. Il y a une version qui a été intégralement recolorisée. Là, c'est juste les tons qu'ils ont changé, mais c'est pas ouf. Ouais, il y a des couleurs pour le Mario. Non, non, mais c'est pas ouf. Il y a une bien meilleure version que ça. Ça, je pense qu'on va se faire un live sur les hacks. Les hacks color. Non, non, c'est pas ouf. Il est pas ouf. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est nul. Ouais, non, la colorisation, là, ça c'est pas possible, en fait. Non, on va quitter. On va quitter Super Mario Land. New Graphics, Metroid 2, The Legend of Zelda. Allez, un Castlevania. Soyons fous. Let's go. Ouais, un glitch, ça bug de ouf, quoi. Change l'émulateur. Là, il est glitché de ouf. Ok. Bah là, c'est bon. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah, je l'avais joué, celui-là, à l'époque. Et fini. Il était bien dur. Oh là là, c'est nickel, franchement. Il était vraiment excellent. Hein. On va mettre un peu plus de son. Et d'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, on avait trouvé avec les potes un passage secret dans le jeu. On avait envoyé l'astuce à un magazine et elle n'a jamais été publiée. Je crois que c'est à Player One qu'on avait envoyé ça. Ah ok, bah c'est gentil, mais là c'est good. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai pas... Recall, je pense que c'est Fabrice. J'ai pas le setup est pas préparé en fait pour accueillir un intervenant audio. Et je peux pas avec le téléphone parce que ça coupe la connexion. Je passe par le téléphone pour partager la connect. Car à Lyon, nous n'avons pas la fibre en fait. Tu sais, c'est un truc un peu moderne quoi, la fibre. Donc on n'est pas encore équipé quoi. Le Game Boy ou comment faire beaucoup avec très peu. Eh oui. Eh oui, eh oui. J'ai toujours trouvé bizarre, là. T'as l'impression d'une nageuse vue de haut, là. Regardez la sprite. C'est trop chelou, en fait. J'ai un peu poussé le clavier pour pouvoir poser les coudes. Il était vraiment excellent, ce jeu. Bah, je me demande si c'est pas par là qu'il y avait le passage secret. Non, c'est dans un autre niveau, mais c'est... Quand les yeux tombent, tu dois péter un œil au moment où il passe à un endroit, et ça casse une paroi, et ça te permet d'aller... Bah, découvrir une salle secrète. Il était vraiment bien ce Castlevania en vrai. Il était vraiment top. Le bruit de l'oiseau est chelou. Purée, ça rappelle des souvenirs là. Oh ouais, et puis le rendu il est vraiment top quoi. Franchement. Bon, on va passer un autre jeu pour voir. Enfin, surtout une autre plateforme. Donc là, on a compris, la Game Boy est vraiment. Bah, c'est top. Hein. C'est vraiment top de chez top. Hein. Pop, 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 pop. Game Boy Advance, tiens, pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du Castlevania, mais ce serait peut-être pas mal de changer un petit peu de sujet. Oh là là, c'est vraiment top. Hein. Allez, un Yoshi Island. Yoshi Island, je l'avais vraiment adoré à l'époque. Je l'avais trouvé vraiment super bien fait, super beau. C'était vraiment un petit dessin animé, c'était génial. Mais je l'avais pas fait à l'époque. Et je l'ai fait beaucoup plus tard. Et finalement, après avoir fini le jeu, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Your save data is corrupt.
Ok, c'est cool. Ça se lance pas du tout, du coup, c'est ça? Bon, on va regarder un autre. Et du coup, je l'ai fait plus tard, intégralement. Et j'ai trouvé qu'il était un peu léger quand même, en vrai. Ah, ok, celui-là il passera pas de toute façon, mais c'est la ROM qui est daubée. Par rapport à un Mario 4, je suis un peu resté sur ma faim, je vous avoue. Oh là, c'est sympa en plus avec les petites vignettes et tout, c'est top, hein. Putain, c'est vraiment top. Metroid Other ZM. Alors à propos de Metroid Other, faites le Metroid Other M sur Wii si vous avez l'occasion de le faire, c'est vraiment top. Oh la petite... Waouh. Bah zéro mission, ouais, pour le coup. Pareil, un jeu que j'adore, que j'ai torché de long, en large et en travers. En long, large et en travers. Oh, c'est top. C'est vraiment top. Putain, c'est ouf. Alors là, ça commence tout de suite parce que souvenez-vous, l'autre Metroid, quand on l'a testé en live la semaine dernière, l'intro durait montre en main au moins 10 minutes, quoi. Bonne nuit, Elf. Du coup, ça change quoi? Ouais, c'est ça. Ça change quoi, en fait, le boîtier, la seconde évolution du boîtier? À part le dock, hein, je veux dire. Ah, après, le dock a une sortie HDMI ou pas? Enfin, je sais pas, il faudrait que je regarde si vous savez. Ah non, mais c'est plus du tout le... Non, ça a plus rien à voir, en fait. Ils l'ont complètement changé. C'est un hack. Ça commence pas du tout comme ça, en fait, normalement. Oh là là, c'est top. C'est vraiment top. Alexa, éteins la lampe bureau. Déjà? Je suis déjà mouru? Dock HDMI, batterie. Ok, d'accord. Ah, dock HDMI, c'est sympa quand même, par contre, hein. Bah, plus puissante, non, hein. Là, j'ai mis un 0. Ah, bah oui, si, oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ok, les gars. C'est cool. Mais là, je suis pas... Ouais, je suis pas sur... Je n'ai pas de StreamYards ou ce genre de truc de configuré, là, tout de suite, maintenant. Là, le live est balancé en direct d'OBS vers la chaîne. Et du coup... C'est un peu compliqué. Alors... Mais attends, pourquoi je suis mort instant, en fait, tout à l'heure? Oh là là, c'est quand même top. Honnêtement, c'est quand même top. Non, mais d'accord, c'est quoi l'énergie que t'as, là? Wow, il est chaud, celui-là. Le hack a l'air bien compliqué. Alors, on va regarder une autre console, tout simplement. Lancer, retour, voilà. Game Boy Color. Ouais, bon, Game Boy Color, d'accord. Je voudrais voir un peu de Mega Drive, là. Ou de Master System. Est-ce que j'en avais copié de la Master? Mais de toute façon, il y en a peut-être déjà de base. Ah, putain, c'est quand même sympa. Hein. Papy Commando! Papy Commando, on va se mettre Papy Commando, c'est obligé. Yes. Petite dédicace à VTS, c'est lui qui l'a fait. Pas de CM4 avant cet été, la rentrée. Waouh. Recallbox démo, sympa. Mais là c'est jeu de plateforme ou c'est vidéo? Ouais là, d'accord, c'est le jeu de plateforme. Putain. Excellent, quoi. C'est quoi, c'est un hack basé sur... Putain, c'est un hack basé sur Alex Kidd ou quoi? Oui, le problème, c'est qu'il y a des ruptures de partout, là, avec les pieds. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Sonic Boy. Allez, on va s'essayer un Sonic Boy 4. Je sens le bon truc bien... Bien cheaté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop. Sonic Boy 3. Let's go. C'est parti. Ouais, bah il est bien sympa ce boîtier. Hein. Reste à voir simplement l'autonomie. Hein. Alors j'imagine qu'avec le Pi 2, elle est moins bonne qu'avec le premier. Enfin, j'en sais rien en fait. Je suppose.
Eric de la Master System. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sent de nouveau le hack de Wonder Boy. Je ne sais pas si c'est le cas. Ok, donc ça tu peux le péter, nickel. Bon, on va essayer un autre système. Qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans? Ça a l'air sympa ça, Silver Valley, c'est quoi ce truc? Donc il y a même du scrapping intégré et tout, c'est vraiment cool quoi. Teddy Boy Sonic. C'est clair. Oh, c'est joli ça. Alexa, éteins la lampe bureau. Alexa a du mal ce soir. Voilà. Alexa, éteins le plan de travail. Voilà. Je sais pas si c'est mieux. C'est carrément pas mieux. Alexa, allume le plan de travail. On voit beaucoup moins bien en fait. Là au moins t'as les couleurs quoi. Il y a les reflets, mais ça, ça peut pas s'éviter. Bon, un autre truc, un autre système. Genesis. Ouh, la démo de Demons of Astaborg. Trop bien. Tiens, je sais pas où en sont les envois du coup des cartouches, parce que j'avais eu une version buggée. Donc on n'a jamais pu faire le live du coup dessus. Et je dois dire que j'aimerais bien le faire en fait ce jeu, parce qu'il est absolument excellent. Le SGDK, le fameux, qui fait revivre la Mega Drive. Donc ce jeu est vraiment excellent, vraiment, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré pour le... J'allais dire le peu que j'ai pu en faire, j'ai pas fini le jeu clairement, mais... avec ça, jour, nuit, ouais. Mais j'avais quand même pas mal avancé, j'avais dû faire 3 niveaux je crois. Et pour le peu que j'ai pu en voir, bah, c'était quand même vraiment super bien. Donc j'aimerais bien me le finir. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas si je peux me rapprocher un peu. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Le rendu est pas si mauvais. Il est magnifique ce jeu, hein. Franchement. Alors attends, du coup, le... Ah ok, d'accord, le hit, c'est là. C'est le bouton du haut. Donc évidemment, c'est pas disposé comme sur la Mega Drive, hein, on s'en doute. Putain, c'est vraiment top. Hop, hop, hop. Alors. Oui, forcément. Ok. Donc on t'apprend les moves. Là, il y a du matos. Ouais, le rendu est pas trop mauvais avec la capture. Récupère le truc dans la maison. C'était avant? Oui, oui, il y avait un truc dans la maison, c'est vrai. Bon, là, ça va parler. Le jeu est top, la musique est top, c'est vraiment du supra boulot, quoi. Bonne nuit, Digital Lumberjack, merci d'être passé, c'est cool. Attends, ouais, il y avait quelque chose avant, effectivement. C'est quand même une dinguerie ce truc. Hein. Il est vraiment sympa ce boîtier. Hein. Donc dans la petite maison, il y avait du matos. Voilà. Voyons voir. Une loupe. Ça donne envie d'acheter la deuxième version du boîtier pour voir un peu ce que ça donne. Ah par contre c'est vrai qu'il y a plus de piles là, comme tu disais tout à l'heure. Donc ouais, on va se contenter de celui-là pour l'instant. Mais c'est vrai que la sortie HDMI c'est effectivement le plus sur le dock. Même si c'est pas forcément indispensable. Mais moi j'aime beaucoup le côté Switch, le côté tout terrain où voilà quand t'es à la maison tu joues sur un écran. Quand t'es en situation de mobilité tu joues sur la portable. Ce que je fais actuellement avec le Game Boy Player sur la GameCube,
et la GBA, finalement, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très cool, quoi. Le côté, on fait ce qu'on veut, on profite, il n'y a pas de compromis, quoi, en fait. On commence son jeu sur la console, sur la télé, enfin, comme une console de salon, quoi. Et puis, on poursuit en situation de mobilité, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, pour le coup, on peut pas le faire avec ce boîtier-là, quoi. C'est son inconvénient. Et sinon, pour le reste, pour vraiment la personne qui cherche juste une console portable d'émulation, c'est une tuerie, en fait. C'est juste une tuerie. Alors, on s'essaie un autre petit système. Cartouche pour le SEM3. Alors, autre système MSX. Ouais, il y a des petits trucs. MSX2+. Brock Studio. Putain, ouais, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah bah, God of War. God of War 2, Kubo 3. Eh oui. Ah ouais, il y a tout Brock Studio, quoi. Non, c'est... Attends, c'est un sous-répertoire ou quoi? Ouais, c'est un sous-répertoire, ok. Donc là, ok, Base Def Aventure. Donc là, on a tout ce que Brock Studio propose. Micromage. J'adore Micromage. Tiens, on va tenter ça. Voir le rendu sur l'écran. Micromage sur NES, dans sa version démo, qui se joue à 4. Donc on a un scrolling forcé, si je me souviens bien. Peut-être pas dans tous les niveaux, non? Il n'y a pas un moment où ça monte tout seul. Voilà. Les persos sont vraiment tout petits, mais du coup on peut jouer à 4. Voilà, le scrolling commence à monter, et il ne descendra pas, donc il faut se manier pour avancer. Et ce à 4. What? Bah attends, c'est quoi ça? Ah oui, tu peux péter les murs. C'est tellement petit qu'on voit pas. Du coup, les mages sont déjà vraiment petits de base sur l'écran de télé. Donc forcément, ici, bah c'est tout petit. Mais ça reste jouable. Hein. Là, j'ai un peu de mal à jouer quand je suis sur l'écran de retour. Mais quand je regarde l'écran directement, le vrai, j'ai aucun problème. Ça marche très bien. C'est quand même top. Hein. Un autre jeu. Un autre système, surtout. Ah ouais, alors du coup, elle n'est pas compatible, parce que comme je disais en début de live, la console est plus petite. Elle ressemble vraiment en tout point à la Game Boy, mais elle est un poil plus petite. Voilà, heureusement d'ailleurs. Amstrad. Amstrad. Bon bah écoutez les petits amis, on a fait le tour de pas mal de systèmes, on va pas tous les faire, c'est pas du tout le but. Hein. C'était surtout ce soir un atelier de montage de la console. Et je vous ai même montré ce qu'il faut pas faire, puisque à un moment je me suis planté, j'ai commencé à visser alors qu'il fallait mettre le capot en premier. Game Gear, je ne résiste pas à l'idée de... Ah non oui. Allez, je mettrai tout de suite un GG Shinobi dedans. Instamment. Et puis, ouais, bon, on va pas tarder à se quitter là-dessus. On va conclure, rapidos. On a testé la plupart des systèmes. Bon, bah, conclusion, c'est de la boulette. J'attends de voir simplement l'autonomie, puisque, avec les accus qui étaient pourtant chargés, entre guillemets, à 100%, j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, quand les piles sont pleines, le chargeur ne continue pas à les bourrer. J'ai tourné la cam. Je pense que quand les piles sont pleines, le chargeur est intelligent, il s'arrête de les charger. Du coup, elles ont un certain taux de décharge, ce qui fait que il est possible qu'elles n'étaient pas à 100%. Et donc, il faudrait que je réessaye avec des accus vraiment blindés de ouf. Voilà. Je voudrais retourner sur le menu. Voilà. Donc, avoir l'autonomie, surtout avec le Pi 2, puisque là, c'est le Pi 0.2 que j'ai mis dans le buffet. Pas le 1. Le 1, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé mes Pi 1. Pour le reste, une tuerie. Franchement, les petits gars de chez Retroflag sont vraiment des bons. Il n'y a pas à dire. Ils font un boulot assez remarquable. Honnêtement, c'est vraiment supra bien fait. C'est vraiment supra bien fait. Il y avait trop de patates. Voilà. C'est super bien fait. C'est hyper malin le coup de mettre le Pi à l'intérieur, de pouvoir déboîter l'ensemble. Je suis même en train de me demander pourquoi on peut déboîter l'ensemble. Quel est l'intérêt, puisque finalement les jeux, on y a accès directement ici. Voilà, via cette petite trappe qui ressemble à la prise multijoueur à l'époque qui était située, je crois, ici aussi, ou c'était plutôt de l'autre côté, je ne sais plus. L'écran est correct, même si c'est pas de l'IPS, franchement. Si vous avez un IPS comme celui qui est vendu sur AliExpress pour la Game Boy Advance SP, vous aurez un meilleur rendu que ça.
On va être honnête. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, le tuto est dispo sur la chaîne pour ceux qui veulent le faire. Le tuto pour remplacer l'écran IPS de ta Game Boy avec. Enfin, remplacer l'écran de base de ta Game Boy avec un IPS. Et aussi pour changer la coque complète. Voilà. C'est la coque Game Boy Advance SP que j'avais mis dans ce tuto. Donc voilà, l'écran est moins bon que les IPS qu'on trouve sur AliExpress pour la Game Boy Advance SP, mais ça reste extrêmement correct. Voilà. Le prix à l'époque était vraiment sympa quand même. Ça valait dans les 60 balles, quelque chose comme ça, port compris, ce qui est que dalle. On trouve des tas de boutons. L'inconvénient de ce boîtier-là, c'est que les boutons L et R sont quand même ultra planqués. Voilà. Mais Sakura Retro Modding, pour ne citer que lui, propose des boutons qui ressortent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus pratiques. Oui, Emilien, bien sûr. Hein. Non, mais c'est pas comparable. C'est clair, c'est pas comparable. Je parle vraiment juste de la qualité de l'écran, hein. Je parle pas de ce que tu vas pouvoir faire dessus dans un cas comme dans l'autre. Hein. Donc ça, les boutons, ça a été corrigé sur la V2, et la V2 apporte le dock qu'on n'a pas ici, et qui permet d'avoir une sortie HDMI un peu comme, comme on pourrait l'avoir avec l'analogue Pocket. Voilà. Voilà les petits amis. Pour le reste, qu'est-ce que j'avais dit qui était pas top? Oui, la prise ici est vraiment trop petite. Hein. Franchement, le connecteur, là, je vais pas le retirer parce que sinon on va couper le système à l'arrache. Mais le connecteur est vraiment trop petit. On a l'impression de le péter quand on l'insère dedans. Donc là-dessus, ils auraient dû mettre quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus consistant. Mais sinon, pour le reste, c'est pas un 20 sur 20 pour les différents points que j'ai cités. Non, moi, franchement, Tsargate, moi, je le trouve parfait, le pad. Hein. C'est pour moi, c'est un pad de Game Boy Advance SP, Game Boy Advance de base, qui est, je le rappelle, exactement le même que le pad de la GameCube. Voilà, le pad digital de la GameCube est le même que la SP, que la Game Boy Advance, tout court. Pas d'USB-C, pas de rechargement. Oui, Recallbox, t'as également les piles, enfin les accus qui sont intégrés à la version 2 et l'USB-C, quoi. Sur Amazon, tu as des câbles USB plus pratiques. Ouais, mais en fait, tu peux mettre, on l'a vu tout à l'heure, hein, tu peux mettre un micro USB ici, mais en fait, c'est un peu là où tu as tes mains quand tu la tiens, et tu es obligé d'enlever le capot des piles. Voilà. Donc si tu veux vraiment avoir la console fermée et puis pas être emmerdé avec tes mains derrière, tu es obligé de mettre ce câble-là qui est quand même assez chelou et qui a l'air un peu fragile. Voilà. Ouais, Objet, je suis d'accord avec toi, le GPI Case est fantastique. Vraiment, c'est top de chez top. Franchement, c'est top. Malgré les petits points noirs que j'ai cités, c'est vraiment un super boîtier. Vraiment. Hâte de voir la version 2 quand même. Je sais pas, j'en commanderai peut-être un pour la science. Mais franchement, c'est du très très beau boulot qui a été fait. Voilà. Fin du bal, les petits amis. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura certainement des vidéos en semaine aussi. Notamment, il y aura les vidéos du week-end. Puisque vous savez que maintenant, j'en mets une chaque samedi et chaque dimanche. En plus du live. La V2, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est mieux si tu tiens absolument à jouer sur une télé, parce que tu as la sortie HDMI sur le dock, et tu as les accus, voilà, et l'USB-C. Mais sinon, à part ça, et c'est plus puissant aussi, parce que le Pi que tu vas mettre dedans est plus puissant. Mais bon, tu vas déjà, là, avec un Pi 02, tu dois faire tourner jusqu'à la... Quelqu'un avait dit jusqu'à la Dreamcast, sans problème, hein, donc j'ai pas testé. Vous savez quoi, les amis, je vous propose un truc. On va tester plein de consoles dimanche prochain, là-dessus. Voilà, voir comment ça tourne. Après, je sais pas si on peut faire un live dessus. Oui, si. On va tester tous les systèmes qui sont proposés dimanche prochain. Voilà, moi, je vais préparer la SD, tranquillou. Je vais sûrement en faire une parce que du coup, la 8Go, à mon avis, ça va pas le faire. Mais je vais mettre quelques petits... je vais mettre des jeux pour chacune des plateformes, quasiment. Et on va faire le tour. Oui, c'est un CM2 sur la version 2, effectivement. Ok, voilà, je dirais qu'on a fait le point. Très beau boulot, très très beau boulot. Retroflag nous épate de jour en jour. Le dernier gros coup quand même, ça avait été ce fameux boîtier NES qu'on avait vu en vidéo où tu pouvais carrément dedans insérer le disque dur ou le SSD à l'intérieur d'une fake cartouche. Donc ça, c'était vraiment un grand moment aussi, un grand moment de Retroflag. Je sais pas si je vais réussir à retirer la cartouche. Il a été dans sa version chromée avec l'autocollant Sakura Retro Modding. On dirait vraiment une vraie cartouche de l'époque, un peu plus allongée quand même dans le form factor. Donc Retroflag, c'est juste des mecs qui ont tout compris et qui sont super bons dans ce qu'ils font en général. C'est vraiment du super taf de ouf. Quand est SM4 version
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, il va falloir qu'on en retrouve, quoi, en fait, hein, parce qu'apparemment, ça ne se trouve plus actuellement. Voilà, les amis. Bah, bon dimanche. Enfin, bon dimanche. Non, c'est un peu fini. Donc, bonne semaine à tous. Non, très mauvais la Dream et la 64 sur le 02. Ah, bah voilà, Mister. Ah, bah merde. Merde, merde, merde. Ouais, bah, du coup, je sais pas si on va faire un live là-dessus. Alors, si c'est. Je sais pas. On va voir. J'aime bien décider le live vraiment au dernier moment. C'est là que je me sens le plus inspiré. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir sauté d'un live à l'autre puisque on a de nouveau eu cette coupure Bouygues. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, normalement dimanche, pour un nouveau live sur un sujet qui restera à définir en général 5 minutes avant le live. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura des vidéos dans la semaine. Je vous ai préparé des petits trucs, notamment la vidéo un peu détaillée du cadre pour Game Boy. Avec, vous savez, une Game Boy Color éclatée à l'intérieur du cadre. Et il y aura cette vidéo dans la semaine et il est possible qu'il y en ait d'autres. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Très bonne... bonne nuit plutôt, parce que là, je pense que la journée est finie pour tout le monde. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À ciao.